Le premier nocturne de Chopin est encore sous l'influence de John Field, compositeur irlandais connu pour avoir inventé la forme du nocturne pour piano. Comme chez Field, on y retrouve une mélodie improvisée, réminiscence du bel canto, posée sur un ample accompagnement en arpège. Mais Chopin surpasse son prédécesseur par la profondeur de son inspiration créatrice. La mélodie commence comme une requête. Elle ne doit pas être mécanique. Interprétez-la comme si vous racontiez une histoire. L'histoire que vous évoque ce morceau. Articulez avec précaution. Amortissez l'attaque de chaque doigt. La main gauche est souple. Elle s'adapte aux éventuelles libertés de la main droite, mais sans exagérer pour ne pas trahir le rythme. Les 22 notes de la mesure 3 doivent être jouées naturellement, mais pendant la phase de déchiffrage, je vous conseille de les caler avec la main gauche de la façon suivante. 3 notes en triolet, 16 doubles croches, 3 notes en triolet. C'est uniquement pour vous aider à mémoriser cette mesure. Elle ne devra en aucun cas rester aussi mécanique. Par la suite, vous jouerez plus librement. Allégez les fins de phrase et n'oubliez pas de respirer. Plus l'écart entre deux notes est grand, plus on prend le temps de l'interpréter. Mesure 11, ressentez l'intervalle entre les deux fa. Ce qui vous permettra en plus de ne pas risquer de le rater. Ensuite, Chopin entame une progression avec insistance. Résolution piano. La deuxième partie est plus sereine en majeur. Sa particularité est la mélodie de la main droite qui est doublée à l'octave. On peut donc modifier son timbre en variant la pression du cinquième doigt ou du pouce. Lorsque vous souhaitez un son plus lumineux, timbrez le cinquième doigt. Pour un timbre plus profond et plus intime, faites ressortir les pouces. De temps en temps, vous pouvez soutenir l'accompagnement pour faire vivre les notes longues de la mélodie, comme dans la mesure 34. Stretto.
Il est important de lier les octaves de la main droite. Surtout, ne les attaquez pas de haut. Au contraire, essayez de lier au maximum. La notion de rubato, qui veut dire dérobé, est déterminante dans la musique de Chopin. Le rubato symbolise la liberté de la conduite de la phrase propre à chaque interprète. Le ralentissement de certaines notes induit l'accélération de certaines autres pour rendre le temps dérobé. Exemple, mesures 47 et 48, je ralentis. Puis je rends le temps pris. Et puis, comme un souvenir un peu fantomatique, triple piano sans rubato. Attention, sforzando, changement de basse. Et on revient au thème du début. À la fin de la mesure 73, vous devrez peut-être ralentir un peu la main gauche pour arriver à placer toutes les notes de la main droite sans les brusquer. Thank you.